الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A fɔra ko i ye mɔgɔ mɔgɔ sara i ka alimami waati i waati mɔgɔ alimami Ala ka kalifa i b'o waati minɛ ko n'i b'a dɔn ko alimami ta ne ye ne jahiliya ko n ye san min kɛ i ye kun fun ka sɛnɛli kɛ mɔgɔ dɔ b'a kɔrɔ faamuya mɔgɔ dɔ b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ dɔnni ko don o tɛ o ka yali ne bɛ jamana tigi dɔ kɔnɔ n'a fɔra ko nin bɛ hakili bɛ kɛ ko jɔn de ye jamana tigi ye an bɛ matigi ma wɔli ba min bɛ yen ni dɔ bɛ na o bɛ la ko ne dɔ ko ne sara ko ne sara ko ka fu wala ni mɔgɔ mɔgɔ ye jamana tigi yɛrɛ dɔrɔn fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ ka bon ka fɔ ko karisa bɛ jamana tigi ye hali jamana tigi yɛrɛ waati la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kan jamana tigi waati la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kan mɛ ka kuma ye kɔrɔ ye di ala a kɔrɔ ko ko n'i sara de i ma mɔgɔ sɔrɔ ko b'i tabiya ala tun bɛ la e sara k'i to i ka bolo wala i bɛ ka bɔlen de sɔrɔ n'a bɛ k'i ma sababu ɲuman ye k'i ma mɔgɔ bɔrɔ la. Ala ye nin da ale de ye e ka sira ye musamani ye parce que ni mun sɔrɔ hali n'a fɔra ko maa wɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔ la ko ale de ye jamanatigi ye ka sɔrɔ a ma foyi ɲini e la e ka mun b'a la sira la donc an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la n bɛ mun fɔ k'a da mun kɔsɔn mɔgɔ dɔ de bɛ ne ka yaala ka mɔgɔ nɛgɛ n'a ye nin ye nin ye est ce que tu connais nin ko dɔn nin kɔ. Quand le bon que tu réponds, ça veut dire que si tu meurs avec que tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas trouvé quelqu'un pour le faire pardonner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire une nouvelle mort parce que tu vas mourir alors que tu es grave. Mais tu as eu quelqu'un pour montrer Dieu. Non. Tu as eu mieux que ça. Pas moi. Tu as dit, échec de la jeunesse. Celui qui te montre cela, n'a rien de derrière ce mot de partage. Si mon cœur me rappelle, surtout, comme Dieu vous aide. Comme si vous alliez venir, il va vous faire des prières. Mais avant de vous faire des prières, on va prendre un cadillac traditionnel. Déjà avant, vous cherchez plus de baraka. Il n'y a pas de meilleur moyen de recherche de baraka plus que le mois de Ramadan. Voilà. On s'amène de l'air, il y a quelqu'un qui dit là. Non. Avec cet attendu, on va voir quand la baraka s'en prend, la baraka de bouche là. Non. Donc, on va voir la baraka de l'oubli là. Baraka sur moi ça. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والصلاه والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما امر والفاتح لما صبر ما فرد حق الحق لا الا صراطك المستقيم وعلى اله حق قبله ومقداره العظيم ورضي الله عن قرب المكتوم وفتح المعروف مؤمن الاولياء سيدي احمد بن محمد الديالي ورضي الله عن غوث البرايا وصاحب البيت العظمى وامامها فرح الوقت سيدي شيخ ابراهيم اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.
الله تعالى وبركاته. أرجوك أن تجلس في مكان مناسب. أنا أسعى الله سبحانه وتعالى إلى أن نصنع سورة بوكيت سانس بيجا من التجاري. Mais cette présenté se compte sur la personne de Mawlana Cheikh Ibrahim Nias avant de commencer la salle. إخواني الشباب، اليوم نتحدث إليكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un hadith du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى قالنا أربعة أشياء. مهما إذا قال أقيم الصلاة لا بد أن تجيبه وأبصر. وإذا قال وأطاع عبد الله ولا تشرك به شيئا لا بد أن يقول لوالديه إحسانا. Dieu nous a donné le conseil par rapport à quatre choses. Et quand Dieu dit accomplissez la prière automatiquement, faites suivre cela et priez la zakat. Et quand il vous demande d'abonner Dieu sans lui associer aucune autre divinité, automatiquement, il vous demande de respecter scrupuleusement les paroles. Mais pour ce qui concerne la zakat du mois de Ramadan, vous savez, vous avez bien fait. Cela représente quelque chose comme 10 zakat en dehors du mois de Ramadan. Et à Mansour, il y a un mot de Parce que le Père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui accomplit un acte sur le relatoire dans le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait accompli 70 actes sur le relatoire dans le mois de Ramadan. Et celui qui accomplit un acte obligatoire du mois de Ramadan, c'est comme s'il avait accompli 70 obligations dans un jugement qui est en mois de Ramadan. Nous allons donc faire un retour sur ce que nous avons commencé. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa qala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi wa hafzi sawrati qala umma. Qala sumuman qala sumuman. Qala sumuman qala sumuman. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit qui est la personne qui mérite de recevoir de moi tout le respect et tout le bienfait. Le prophète Mohammed lui dit ta mère. Il dit, et ensuite le prophète dit encore ta mère. Et ensuite le prophète dit encore ta mère. Et à la quatrième fois, le prophète dit maintenant son père. La femme qui est la maman, elle a trois mois avant de marier son père. Alors, ça va, il y a un homme avec un mahati. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que les jeunes jouent avec le droit de leur maman. Alors, cela représente une clé de leur mère, mais une clé pour s'ouvrir le feu de leur père. Jouer avec le droit de la maman. Parce que la colère du père représente la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, Seyyidina Abdullah ibn Omar ibn Omar, Yahbir Ummah, Fahadahu Hawad, Yahbatu, Mata Fakhtis Taksiru ala Dari ala Ada, Fahadahu Ibu, Anku Adji Laha Haqqaha. Abdullah ibn Omar ibn Omar a une fois vu un monsieur qui portait sa mère et il lui a demandé mais qu'est-ce que tu gagnes en faisant cela? Alors le monsieur a dit en disant que je fais cela pour débiter le droit qui me tue sa mère. Par rapport à ce monsieur-là, une seule souffrance que la maman a fait, tu ne peux aucunement compenser cela. Yahadun ila Imam Malik, Fahadahu ya Imamatin, Amarani Abi wa Nahakni Mundi, Fahadahu, Ate Abba wa Lata, Wa Lata Asa Umar.
Il dit, respecte ton père et ne vous oublie pas à ta mère. Il a cette parole. العالم العارف مولداني جاء رجل إليه اليوم وقال له إنني أمة كثير كثيرة الخير وقال له هل أمك تبكي إليه؟ قال لا قال بما أنها لا تبكي إليه لماذا لا تصبر على قلبها؟ أبو أبي سبحان الله ومن أنت علي بن تميم إي بن سيسي مولاه إذن يصوم qui est tellement douloureux. Alors, le Saint-Homme répondit en disant, est-ce que cette morale a elle passé toutes ses nuits en pleurant? Il a dit non. Il dit, dès l'instant qu'elle ne passe pas ses nuits en pleurant, pourquoi tu ne peux pas observer la patience avec elle? Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yamour là-bas. Wa qala ya Rasulullah, inna abi ahdama akala mani. Wa qala, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت أكلت ماله؟ فقال نعم. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان صغيرا وأنا كبير وكان ضعيفا وأنا قوي وكان فقيرا وأنا غني والآن أصبحت ضعيفا وهو قوي وأصبحت فقيرا وغضن فأعرف من ماله فمجتمع فأخذتها وأخذتها خطوتك موجودا وقلت فيها عن تقول بما أبني إليك وكان أبوك إذا الليلة نادتك بالشر لم أبن بشكواك كأني أنا المطروق دونك في الذي وجدت به دوني والوعي يتنعلك جعلت جزائي خفة وفخافة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترعى عقوبتي جعلت فعلت كما الجاهل يفعل فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبكى حتى أخذ لحيته فقال للولد أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أكبر Et vous, mon père, mon mère, pour mon père, a pris mon argent. On me dit que j'ai mangé mon argent. Alors le prophète, mon père, me dit, est-ce que toi aussi tu as mangé l'argent de ton père? Il dit oui. Le père a expliqué, en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon fils qui dit voilà, quand il était petit, moi j'étais grand. Quand il était faible, moi j'étais fort. Quand il avait besoin de moi, je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire et je lui ai donné ma force pour l'aider. Aujourd'hui, moi, je suis devenu faible, tandis que lui, il est fort. Je suis devenu, j'allais dire, pauvre, avec lui, il est riche. Et quand je lui ai demandé de l'aide, il m'a privé de ce que Dieu lui a donné. Et il a commencé à chanter un poème devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans lequel poème, il explique comment il a souffert avec son fils, ce dernier qui dormait la nuit. Lui n'avait pas dormi pour lui. Et celui-là, quand il était malade, il n'arrivait pas à se reposer. Aujourd'hui, quand il avait tout, il lui donnait. C'est ce que le poème représentait. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela automatiquement, il a commencé à pleurer. Il a tellement pleuré qu'il avait oublié toute sa barbe. Et finalement, il dit Anta, Omar, Luka, Nabika. Mais sache, monsieur, que toi, que ton argent vous appartient à ton père. Toi, que ton argent n'appartient qu'à ton père. Donc, c'est très important. Il a dit que le voleur de la sœur de Malawani, Yoktaw, le voleur de la sœur de Malawani, Yoktaw. C'est ainsi que la jurisprudence espagnole nous dit que si un père vole l'argent de son fils, on ne peut pas se mettre. Mais si c'est le contraire qui se produit, le fils a volé l'argent du père, alors on nous tranche la mère.
رجل كان من الصحابة كان ملازم المسجد وكان ملازم الجهاد وكان يقع كل الخير إلا أنه نسي ولم يذكر. Et puis ceux qui étaient à la mosquée, mais qui observaient les actions de l'émotion, il était tellement bon, il faisait tout ce qui est plaisant, mais seulement il négligeait le droit des émanes. Alors, au soir de sa vie, pendant qu'il était en train de lâcher son âme, il était incapable de prononcer là, il a dit là. Il peut le faire, mais c'est comme si sa main était visible. Il ne pouvait pas dire là, il a dit là. Alors, les gens sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire avoir un tel qui est tellement bon, mais qui aujourd'hui, au soir de sa vie, pendant qu'il est en train de fourrer la mort, au but de lui dire là, il a là, il est incapable de le faire. Le prophète a demandé qu'on le fasse venir. قال ابن عقول ابن خير الغالب لا يعرفني رسول قال له اعف عنه فقال لا لم اعف عنه المفتى محمد عليه الصلاه والسلام اي نبي صلى الله عليه وسلم كيسكي سو باس ان توا اتون فيس سيد ربي قال لك مون فيس لا بارتي مون فيس ما لسي دان لا فين اي دان لا سوا مون فيس ا بيسي سولا Mudah menjadi pardon atau disel di dunia pardon bad. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam taatuan buku sosial saya purna. Mudah menjadi disel di dunia sudah berbalik. Kalau sahaja si bel masih di mana, di mana tidak tuan nama saya. Kalau bel saya pun, ia menjadi kesesuaian yang si tuan nama saya. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Nibil Mais aussitôt qu'elle a dit que je t'ai pardonné, Dieu a dédié sa langue, il a dit, là, il a dit, là, on va recevoir, et c'est ainsi qu'il est possible. Oh, vous jouez. Kassabatul Mali, la yamnao, en prosina du Wadde. Avoir beaucoup d'argent ne va pas t'empêcher d'être bon. وَتَوْجَدُ الْجَمِيلَ لَا تَمْنَعُ أَنْ تُحْسِنَ بِوَالِدَيْكَ aussi avoir une belle forme ne va pas t'empêcher d'être respectueux vis-à-vis des parents وَدُنْيَا بِمِلْكِهَا لَا تَمْنَعُ أَنْ تُحْسِنَ بِوَالِدَيْكَ avoir tout le pouvoir du Seigneur également ne va pas t'empêcher de respecter et veiller sur le droit de ta maman سَيِّدْنَا شَافِعِي يَقُولُ ولا تطع زوجة في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنيت أمها. Alors, سيدنا الشافعي disait que ne regarde pas la beauté d'une femme pour désobéir à ta mère. Tu pourras ainsi jouer ta vie dans la perdition. أرجوكم أن ترفع الوطاس صغيرة لكنها أريد أن يفهمها صغر لأننا في أحد صغر sebab al-ana tafasalu wa hawalu ila malam al-ana. Ini sekonseil paraît très peu dans l'espace et dans le temps et important. Parce que sur le temps, vous regardez le lien entre les fils et les parents, vous voyez que les liens sont entièrement dégradés. Voilà pourquoi il insistait à revenir sur ce point-là qui est très important. À cause duquel vous pourriez être même mieux de toute sa vie avec les séparés.
الله تعالى نسألك أن يوفقنا لمعرفة ويبقى ويبقى من قلوبنا المقدى والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je pense que souvent on oublie ce qui est l'acquéré, qui est essentiel. Et vous pouvez voir, vous avez un jardin d'Arta Ardam du Maharatis. Le paradigme se trouve sous le pied de Romain. Notre peuple va faire le fort, quelle que soit la situation. Que ta richesse ne t'empêche pas de respecter tes parents, même ta pauvreté également ne t'a pas empêché de respecter tes parents. Mais vraiment, je suis pauvre. Voilà pourquoi je vais venir m'abonner. Même si tu vas aller m'abonner, tu veux donner le respect. Tu veux donner la considération. Tu veux donner l'attention. Tout ça compte. Et ce sont les moyens que Dieu donne à tout le monde. Ainsi, tu vas acquérir de la valeur pour toi-même et pour ta descendance. N'oublie pas que ton âme dit une douleur. Tel que tu te comportes avec tes parents, c'est comme ça que tes enfants vont se comporter avec toi. Alors, si tu veux que ton enfant se comporte bien avec toi, la voie est très simple. Comporte-toi bien avec tes parents. Celui qui naît et qui voit ses deux parents en vie, il a la chance d'avoir le paradis dans la plus grande facilité. Parce que tu peux acheter la bagage pour le bien de ta mère, ce que Dieu a fait pour vie. Alors, cette relation à Dieu ne la donne pas à tout le monde. Il y en a qui sont nés, leurs parents ne sont plus, leurs parents ne sont plus. Mais en même temps, ce que je vous dis, toujours tu auras quelqu'un que tu vas considérer comme ton père. Toujours tu auras quelqu'un que tu vas considérer comme ta mère. Celui qui dit qu'il n'a pas de mère du tout, c'est que cette personne n'est pas digne de respect. Parce que celui qui respecte Dieu, il trouvera la personne que l'âge de son père, l'âge de sa mère, à qui il va donner un respect scrupuleux. Et il est important dans la taille parce qu'il y a des gens qui sont nécessaires là-dessus. Mais ce qu'on a dans la taille rien, soit respectueux de tes parents. Alors, nous sommes les chers seigneurs allés à tout le monde pour ça. C'est pas du tout nouveau, mais on a besoin de la paix. Zaki et Monika, j'espère que les esprits et les cœurs ont été rafraîchis et que ceux-là qui étaient dans ce grand péché-là, qu'ils sortent de ce péché-là, qu'ils puissent se rectifier et dire pendant qu'il est temps. Souvent, si tu laisses comme ça que ton père venait alors qu'il n'a pas prié, Je vais vous donner un peu de temps. À un moment, il a fait quelques deux semaines de cycle. Au soir, il a toujours dit trois semaines. Il a fait trois semaines de cycle depuis qu'il a eu Charles. Chaque fois, quand il était là, on avait le temps d'aller pour venir. Mais cette année, là, malheureusement, les choses sont tellement compliquées qu'il ne m'a vu qu'une seule fois ou deux fois. Alors, nous avons des esprits pour cela, Charles. Le cœur est avec nous, même si le corps est avec nous, il va aller avec nous les événements qui se produisent ici, Charles. Donc, on va le mettre le micro. اللهم صل على سيدنا محمد.
فاتح لما قبله الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره ومقداره العظيم صلاه تفتح لنا بها ابواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير La ilaha illallah 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 la ilaha illallah